Recording in. It's about to go live. Okay, donc là, on va tout de suite commencer. Let me check it. C'est bon, hein? C'est bon. Ouais, voilà. Okay, donc, vous voyez mon écran, je suppose. Vous voyez mon écran, je suppose. C'est déjà nous. Nous le voyons. Ok, super. Donc, ce soir, nous allons parler du visa formation professionnelle. Nous allons parler ce soir du visa formation professionnelle. Et on va essayer de balayer tout un tas de choses, tout un tas de points qui couvrent ces visas-là. Et je vais faire une présentation. On va commencer. Je vais faire une présentation qui pourra durer dans les 10-15 minutes en fonction de comment ça va se passer. Et puis, par la suite, vous aurez l'occasion de poser les questions pour que ce soit véritablement un échange. Pour que ce soit véritablement un échange, tout le monde aura par la suite l'occasion de poser ces questions par rapport à ce que j'aurais dit, par rapport à ce que vous aurez entendu ça et là, par rapport à un point qui vous tient à cœur ou bien, bon, je ne sais pas. Donc, l'échange se fera tout naturellement par la suite. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Vu qu'on n'est pas nombreux, bon, je me dis, est-ce que vous pourriez peut-être m'interrompre, mais je pourrais tout de même poursuivre mon propos jusqu'à la fin, pour, du moins, c'est pour le bien de tout le monde. Mais si il y a un point sur lequel vous voulez absolument qu'on revienne et dont vous avez peur qu'il vous traverse l'esprit, vous pouvez également poser la question sur le champ. Donc, voilà. Ça, c'est dedans. OK. Donc, en gros, comme le titre, nous allons parler du visa formation professionnelle. Nous allons parler du visa formation professionnelle. Déjà, quand on dit visa formation professionnelle, je ne sais pas. Mon écran ne bouge pas. What's going on? OK. Donc, voilà. Là, on est déjà... Quand on dit qu'est-ce que la formation professionnelle? Bon, déjà, je commencerai par dire que les formations professionnelles, elles existent partout. Elles existent partout. Seulement, les Allemands ont décidé de les structurer d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que... Du moins, c'est pour mieux organiser la chose. Généralement, dans le système allemand, quand tu sors du collège ou bien quand tu sors du lycée, on te donne la possibilité, on te dit que, OK, tu peux aller à l'étranger ou bien tu peux faire une formation professionnelle avant d'entrer à l'université. Ce qui fait que beaucoup de personnes en Allemagne entrent à l'université autour de 20 ans, 21 ans, après avoir fait un an, deux ans, trois ans de formation professionnelle. Et donc, les formations professionnelles, donc, elles sont plus ou moins faites dans pas mal de domaines, hein, c'est-à-dire les domaines de la santé, au domaine des banques, au domaine de la technique, de la construction, de tout ce que vous voulez. On peut faire une formation professionnelle dans tout. Seulement, lorsqu'on arrive sur la thématique de... Parce qu'il y a des possibilités, mais il n'y a pas de possibilités pour tout le monde. Il n'y a pas de possibilités pour tout le monde. Et maintenant, tout dépend aussi de où est-ce que vous vous trouvez et quel est le type de papier avec lequel vous vous présentez. Pour les étrangers, par exemple, qui ne sont pas en Allemagne, c'est possible d'avoir un contrat de formation professionnelle dans tous les domaines. Bon, quand je dis tous les domaines, vous n'allez pas, par exemple, demander, étant au Cameroun, à entrer dans la police allemande, par exemple. C'est-à-dire, ce serait absurde. Ce serait même bête, par la limite. Donc, mais vous avez la possibilité, par exemple, de décider que, OK, moi, je vais faire une formation dans le domaine de la technique, je vais faire une formation dans le domaine de la construction des machines, ou bien une formation en mécanique, ou une formation en, je ne sais pas, tapettiste, ou bien, je ne sais pas, peintre, ou bien couture, ou hôtellerie, infirmerie, et tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire une formation dans tout ça. Et de l'étranger, c'est également possible, seulement... là où ça peut coincer par la suite, ça peut être au niveau des protocoles et au niveau des procédures administratives, parce que
Même quand vous êtes en Allemagne et que vous êtes étranger et que vous décidez de faire une formation professionnelle, votre formation professionnelle doit être autorisée par, si je peux dire, le ministère du Travail, pour rester simple. Elle doit être autorisée par le ministère du Travail ou bien par le service des étrangers. L'un des deux doit autoriser les deux ou l'un des deux doivent autoriser votre contrat. Et dans la plupart des cas, donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous êtes à l'étranger, si par exemple, vous avez par exemple, il peut arriver que dans certains cas, hein, si la personne qui gère votre dossier est par exemple raciste, on va le dire comme ça, il peut arriver que la personne refuse d'autoriser votre contrat. Et du coup, pour éviter par exemple ce genre de situation-là, on recommande à pas mal de personnes de passer par exemple par les domaines de la santé, parce que là-bas, c'est plus ou moins facile. Parce que moi, j'ai déjà entendu des histoires d'étrangers qui, vivant en Allemagne déjà, encore avec leurs papiers étrangers, ont décidé par exemple de faire des formations dans le domaine de l'informatique ou, je ne sais pas, dans le domaine de la construction des machines et qui se sont vus refuser l'accès à ces. Qui se sont vus leur refuser les autorisations. Parce qu'avec le contrat, après avoir eu le contrat, qui se sont vus refuser les autorisations dans ces domaines-là. Donc, quand elle est à l'étranger, il est possible d'avoir un contrat de formation dans un domaine autre que la santé, mais la santé, c'est plus ou moins recommandé parce que là-bas, les protocoles ne sont pas aussi compliqués que ça par la suite. Maintenant, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez le visa, bon, l'objectif est de voyager. Une fois que vous avez voyagé avec ça, une fois que vous êtes sur le territoire, bon, vous pouvez décider d'échanger, hein. Ça aussi, la loi vous autorise à le faire. OK, maintenant, quelles sont les différentes conditions pour avoir accès à une formation professionnelle? Pour avoir accès à une formation professionnelle, en gros, il faut avoir, bon, si c'est en Allemagne, que, bon, on parle beaucoup plus de l'Allemagne, hein, on parle ici de l'Allemagne. Si c'est en Allemagne que vous faites votre formation professionnelle, il faut être capable de parler la langue à un certain niveau. Quand je dis être capable de parler la langue à un certain niveau, c'est que vous devez parler la langue à un niveau qui vous permet de comprendre, c'est-à-dire. Une formation professionnelle dit que vous allez suivre des enseignements théoriques et vous allez faire de la pratique. Pour suivre des enseignements théoriques, ça veut dire que vous devez être capable de vous asseoir dans une salle et d'écouter, de noter, de poser des questions, de comprendre, de faire des exposés, de faire des présentations, de participer à des projets, de rédiger quelque chose par la suite. Et du coup, vous devez quand même avoir un niveau de langue qui puisse vous permettre de produire ce niveau de, comment est-ce que je peux appeler ça? Ce niveau de performance intellectuelle, si je peux appeler, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, il vous faut, dans le meilleur des cas, avoir minimum un B2. Et dans le pire des cas, bon, on recommande le B1. C'est vrai qu'il y a aussi des domaines où on va, par exemple, vous dire que bon, vous n'avez pas besoin d'un niveau de langue assez pointu, ou même avec le A2, ça pourrait passer. Comme par exemple, les gens qui travaillent dans les usines, ou bien, bon, voilà, si vous faites une formation de, je ne sais pas, vous voulez conduire les camions, par exemple, un truc de ce genre. La conduction des camions, la conduite des camions n'a rien à voir avec le niveau de langue. Bon, du coup, il faut juste savoir être capable de s'asseoir, prendre un volant et puis essayer d'écouter ce qu'on va te dire et puis pouvoir faire ce qu'il y aura à faire. Donc, en gros, c'est un peu ça. Donc, une fois que vous avez, donc, dans la plupart des cas, ce qu'on va vous demander, c'est d'abord le certificat de langue. Ensuite, on va généralement aussi vous demander de présenter plus ou moins une sorte d'expérience antérieure dans le domaine. Et les plus grandes expériences antérieures dans le domaine que vous aurez à présenter seront généralement le stage, par exemple. Vous aurez à présenter un stage. Je ne sais pas qui a dessiné le truc qui se présente là. On va par exemple vous demander par exemple un stage ou bien des études antérieures dans le domaine. Donc ça, on pourra par exemple vous demander ça. Et maintenant, par la suite également, pour pouvoir avoir la place, on va vous demander une candidature. Dans votre candidature, il vous faudra un CV. Il vous faudra un CV, il vous faudra une lettre de motivation où vous essayez plus ou moins de convaincre quelqu'un que bon, voilà, je voudrais faire ça parce que voici ce que j'ai fait par la suite, voici pourquoi je voudrais faire ça, voici ce qui m'attire là-bas, voici ce qui me motive. Et pour telle autre raison, je voudrais faire ci ou ça. Donc, en gros, c'est un peu ça. Maintenant, vu que vous êtes étranger avec des diplômes étrangers, il arrive, généralement, on va vous demander des équivalences de vos diplômes. Des équivalences de vos diplômes. Et dans la plupart des cas également, aussi, vos diplômes doivent plus ou moins être traduits. Et on va vous demander des équivalences de vos diplômes que vous devrez présenter. Et donc, vos diplômes devront passer plus ou moins par un service d'équivalence qui va plus ou moins décider de si oui ou non votre baccalauréat correspond à
un niveau d'études allemand qui vous permet d'avoir accès à ci ou à ça. Mais dans la plupart des cas, avec le baccalauréat camerounais, ça passe, parce que le baccalauréat camerounais vous donne déjà directement droit à l'accès à l'université en Allemagne. Et s'il vous donne droit à l'accès à l'université et que la formation professionnelle est légèrement en deçà de l'université, alors vous avez également aussi automatiquement accès à l'université. Donc, c'est maintenant tout ça conjugué qui conduit au contrat. C'est tout ça, une fois qu'on a conjugué tout ça, qu'on arrive donc au contrat et que, ben voilà, on peut plus ou moins sourire. Mais pour arriver jusqu'au contrat, c'est tout un long processus. Maintenant, quels sont véritablement les avantages d'un contrat ou bien d'un visa de formation professionnelle? Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là. Bon, voilà, OK. Sont véritablement les avantages d'un visa de formation professionnelle. Déjà, l'avantage avec les formations professionnelles en Allemagne, c'est que vous allez au travail, vous allez à l'école et vous avez donc vous allez à l'école, vous allez au travail et donc vous avez un salaire vu que vous allez au travail. Vous avez un salaire et d'un domaine à un autre, je dis bien d'un domaine à un autre, on oscille entre 700, pardon, ce qui paye vraiment mal, hein. On peut parfois descendre jusqu'à 600, mais c'est rare. On oscille entre 600 et 1500 euros par mois que vous gagnez. Maintenant, qu'est-ce que cela implique? En tant qu'étranger, on va vous dire que pour pouvoir vivre en Allemagne, vous devez à vous disposer par mois de ce que les Allemands, les jeunes Allemands qui reçoivent ce qu'ils appellent le BAföG, c'est, je ne sais pas comment traduire ça, du moins l'État finance finance les étudiants allemands. C'est-à-dire quand tu es étudiant et quand tu es allemand et quand tu es étudiant, tu peux, à part la part, il y a un fonds, il y a un système à travers lequel tu peux recevoir du financement de l'État. Et dans certains cas, tu peux recevoir jusqu'à 863 euros actuellement. 860, bref, autour de 850 euros par là. Je ne sais plus exactement combien c'est. Et donc, l'État va te demander, toi, étudiant étranger, de prouver cela. Par exemple, dans le cadre du visa étudiant, les 10 500 euros qu'on te demande de prouver pour venir étudier en Allemagne, que tu as ça dans un compte bloqué, ces 10 500 euros-là, en fait, c'est justement ces 850 euros environ multipliés par 12, c'est-à-dire fois 1 an. C'est ça qui fait cette caution-là. Donc, ce sera la même chose ici. On va te demander de prouver que tu as plus ou moins les moyens pour pouvoir vivre. Donc, du coup, si tu es avec un contrat de formation professionnelle dans un domaine où on te donne 600 euros, il est clair qu'au niveau de l'ambassade, on va te demander de prouver que tu auras 250 euros de plus fois 12. Donc, on va te demander plus ou moins 250 euros fois 12 dans un compte bloqué en Allemagne, par exemple. Mais maintenant, si tu as un contrat dans le domaine de la santé, comme dans la plupart des cas, où ton contrat stipule, par exemple, que tu as minimum, comment est-ce que je peux dire ça? Tu as minimum, tu as environ 1050 euros, parce que c'est toujours environ 1050 euros. Si ton contrat dit que tu as environ 1050 euros, alors avec ces 1050 euros-là, au niveau de l'ambassade, on va te demander rien de plus. On ne va pas te demander de caution, on ne va pas te demander des prises en charge. Ton contrat suffira puisqu'il sera la preuve que tu as de quoi vivre, quoi, si je peux dire ça comme ça. Et ça c'est le premier avantage, c'est-à-dire financièrement. Et maintenant, si on prend la calculatrice et qu'on tape la calculatrice, on va se rendre compte que si tu gagnes 1050 euros la première année, 1200 euros la deuxième année, 1300 euros la deuxième année, au bout de ta formation de 3 ans, ben, tu auras gagné la première année autour de 12 000, du moins 13 000 euros par là. La deuxième année, tu auras gagné autour de 14 000 euros par là. La troisième année, tu auras gagné autour de 16 000 euros par là. Si on tape la calculatrice, 12 plus 14 plus 16, vous voyez qu'on tourne déjà au-dessus de 40 000 euros. C'est-à-dire rien que pendant la formation professionnelle. Et maintenant aussi, après votre formation professionnelle, vu que vous sortez de là avec de l'expérience professionnelle, ben, ce sera facile, plus ou moins en théorie, de trouver également du travail par la suite. Donc, maintenant, il est également possible, avec ce diplôme de formation professionnelle, à l'étudier par la suite. Je dis bien, il est possible d'étudier par la suite parce que, voilà, le diplôme que vous obtenez déjà dans certains centres de formation, on vous donne déjà la possibilité en interne, à partir d'un certain moment, parfois à partir de la deuxième, voire ou bien la troisième année, de passer en alternance à l'université. Donc, vous sortez de là. Et avec un diplôme universitaire, en même temps avec un diplôme universitaire, en même temps avec un diplôme de formation professionnelle. Donc,
Ce qui est plus ou moins aussi un avantage parce que vous pouvez plus ou moins vous spécialiser dans un domaine, dans tel ou dans ci, dans ci ou dans ça, plus tard, et puis faire ce que vous voudrez faire. Et puis maintenant, vu que vous avez un diplôme, vous avez une formation concrète, vous avez un boulot, si jamais vous décidez, par exemple, un jour de changer de passeport, ou si vous dites, par exemple, que ben, vous, votre, le passeport camerounais ne vous dit plus rien, vous ne le voulez plus, ben, au lieu de le déchirer comme l'autre l'a fait l'autre jour, vous pouvez tout simplement le changer. Vous le changez et vous prenez un nouveau. Et puis maintenant, le diplôme que vous obtenez aussi, il est reconnu dans toute l'Union européenne. Donc, si un jour, vous décidez que, bon, voilà, j'en ai marre de parler allemand tous les jours et que je voudrais vivre où on parlait français, bon, vous pouvez aller vous installer où vous voulez dans l'Union européenne et puis votre diplôme sera tout simplement reconnu parce que c'est la loi qui le dit. Donc, tout ça, donc, va vous donner une sorte de stabilité. Donc, c'est-à-dire, ces formations-là vous donnent plus ou moins une sorte de stabilité parce qu'elles vous permettent sur le long terme de, voilà, d'être plus ou moins, comment est-ce que je faisais, d'avoir plus ou moins un certain nombre de garanties et de pouvoir vous mouvoir. Parce que le plus important dans la vie aussi, parfois, est de savoir que, OK, j'ai mon boulot, même si je le perds demain, je peux trouver un autre. C'est-à-dire, si vous êtes dans une situation où, si vous perdez votre boulot, vous n'êtes pas certain d'en trouver un nouveau, ça peut être compliqué. Seulement, il n'y a pas que les bons côtés dans cette histoire. Il y a aussi le mauvais. Bon, je ne vais pas dire le mauvais côté, mais il y a le retour de la médaille. Il y a le retour de la médaille. C'est vrai, vous recevez de l'argent, ça vous donne sur le long terme de la stabilité, ça vous donne ci, ça vous donne ça, mais il faut payer le prix. Il faut passer à la caisse. Et quand je dis passer à la caisse ici, ce n'est pas en termes d'argent. Ce n'est pas forcément en termes d'argent. C'est que vous devez être capable de supporter un certain nombre de choses sur vos épaules. De supporter un certain nombre de choses sur vos épaules. Et l'une des choses que vous devrez supporter sur vos épaules, parce que si vous allez à l'école et vous travaillez, alors votre, comment est-ce que je peux dire, votre survie ou votre séjour dépend et de l'école et de l'hôpital, dans ce cas par exemple, et de l'école et de l'hôpital, ce qui veut dire que vous avez obligation de résultat au niveau de l'école, vous devez réussir vos examens, et au niveau de l'hôpital, vous avez également obligation de résultat parce que vous devez travailler, il y a un emploi du temps que vous devez suivre, il y a des heures de travail que vous devez suivre, il y a un planning que vous devez suivre et vous devez obéir à ça. Donc les deux, il faudra réussir à les combiner. Maintenant, à côté de ça, bah, il y a aussi, par exemple, le pays qui va entrer en jeu. On sait tous plus ou moins des familles dans lesquelles on vient et c'est pas toujours facile de gérer tout ça. Donc du coup, il y a tout ce stress et toute cette pression-là qui vont s'ajouter sur vos épaules. Et de l'autre côté également, il y a le service d'immigration qui ne va pas vous laisser et qui sera toujours là derrière vous. Bon, qui ne sera pas là derrière vous chaque jour, mais qui sera plus ou moins là en fond d'écran, si je peux dire ça comme ça, qui sera toujours en train de vous rappeler, ben voilà, votre séjour, puisque même sur votre visa, le jour que vous recevez votre visa, c'est écrit là-dessus. Parfois, le nom de votre employeur est écrit là-dessus. Et votre séjour est lié à votre contrat de formation professionnelle que vous avez étudié, obtenu. Et ce n'est que grâce à ça que vous avez le droit de rester sur le territoire. Le jour que votre contrat est rompu, vous devez prouver que vous avez un autre. Sinon, on risque de vous demander d'apporter un billet d'avion direction Douala ou Yaoundé. Donc, c'est un peu ça. Si on continue maintenant, la question parfois aussi, c'est comment est-ce que je trouve un contrat de formation professionnelle? Comme je disais déjà tout à l'heure, la première condition sera toujours et toujours le niveau de langue. Le niveau de langue sera toujours la première condition qui va se poser pour trouver un contrat de formation professionnelle. Et dans le meilleur des cas, comme j'ai dit, il faut avoir le B2, c'est-à-dire les quatre modules. Ensuite, votre diplôme doit être reconnu. Votre diplôme doit être reconnu. Maintenant, d'un état à un autre, c'est compliqué. Il y en a où c'est compliqué, il y en a où c'est plus ou moins facile, si je peux dire ça comme ça. Bon, quand je dis facile, c'est où on ne complique pas trop pour rien. Parce il y a des endroits où on complique trop pour rien, où parfois on te demande des diplômes, où on te demande parfois des papiers qui sont impossibles à obtenir. Et maintenant, vous devez construire votre dossier de candidature. Et d'une personne à une autre, le dossier de candidature ne sera pas toujours le même. Maintenant, à côté de ça, par la suite, vous aurez des entretiens. Vous devez passer des entretiens. Et
vous devrez plus ou moins aussi être plus ou moins préparé pour ces entretiens-là, parce que les entretiens, comme je dis toujours, c'est pas pour... On va pas venir à l'entretien et on vous demande en allemand de donner le nom de la veine qui se trouve entre la cage thoracique et le poumon. On va pas vous demander des trucs comme ça. On va pas vous demander de comment s'appelle le rein en allemand, non. On est là pour essayer de voir, bon, est-ce qu'il a le B2, il ou elle a le B2 sur le papier. Bon, est-ce qu'il ou elle a vraiment, bon, c'est vrai, il a le B2 sur le papier, mais est-ce que son niveau de langue est bon? Quel est nous-mêmes? On va se faire plus ou moins une idée personnelle de votre niveau de langue, de votre capacité à, comment est-ce que je peux dire? De votre capacité, puisque vous devez travailler à l'hôpital et vous devez aller à l'école, quel est votre niveau de sociabilité, si je peux dire ça comme ça? Est-ce que vous êtes sympa? Est-ce que vous êtes du genre trop réservé? Est-ce que vous êtes facile à la discussion? Est-ce que c'est parce qu'il peut arriver que pendant votre entretien d'embauche, bon, que ça sorte complètement de l'entretien d'embauche, hein, qu'on commence à vous poser des questions sur le Cameroun, sur Douala, sur Yaoundé, sur je ne sais quoi. Et puis, en fait, on veut juste voir comment vous réagissez, comment vous entrez dans la discussion, comment vous parlez, comment vous interagissez et tout. Et puis, par la suite, on veut aussi voir votre motivation. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous savez plus ou moins où vous partez? Est-ce que vous savez plus ou moins ce qui vous attend devant? Est-ce que on essaie un peu plus ou moins de regarder tout ça? Et puis, c'est sur la base de tout ça maintenant qu'on dit, OK, on vous donne le contrat, on vous donne votre chance, ou alors on vous dit, on ne vous donne pas le contrat. Et de par mon expérience avec les personnes qui ne sont pas en Allemagne, il faut en moyenne 2 entretiens. Il faut en moyenne 2 entretiens. Le premier, ça foire dans la plupart des cas. Sur 4 entretiens, 2 vont foirer au premier. Et je dirais sur 5 entretiens, 3 vont foirer au premier. 3 vraiment vont foirer au premier. Et donc, moi, ça ne m'étonne plus. Donc, il faut minimum un deuxième. Au moins, quand la personne arrive au deuxième, la personne est plus ou moins psychologiquement nettement mieux préparée. Et du coup, c'est un peu plus facile de pouvoir gérer la pression et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que, il faut se le dire, hein, parce que là, il peut arriver, par exemple, que lors d'un entretien d'embauche, qu'il y ait 2, 3 personnes, voire parfois 4, bon, c'est très rare qu'il y ait plus de 2 personnes. Donc, il peut arriver qu'il y ait 1, 2 personnes qui soient là et qui vous posent des questions et qui vous intimident. Et c'est pas toujours facile. Tout le monde n'a pas toujours la même capacité à pouvoir gérer cette pression-là. Donc, vous voyez un peu. Et maintenant, c'est tout ça. Donc, c'est-à-dire, c'est au terme de tout ce processus que vous arrivez maintenant au niveau du contrat. Maintenant, certaines personnes ont un contrat, d'autres ont 2 contrats. C'est-à-dire, il peut arriver que l'école et l'entreprise soient complètement séparées. Il peut arriver que l'école et l'entreprise soient séparées, tout comme il peut arriver que ce soit la même structure. C'est-à-dire que vous tombiez sur un grand hôpital qui a sa grande école et ça veut dire que si vous tombez sur un grand hôpital qui a son école, la pratique est en théorie aussi faite dans ce grand hôpital-là, donc dans leur propre grand hôpital. Et donc, il y a certains qui gèrent ça comme ça. OK, maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous, quand les personnes nous contactent, on commence par l'orientation, c'est-à-dire il faut qu'on sache déjà à qui on a affaire et il faut déjà que nous-mêmes, à notre niveau, on vérifie si la personne, du moins avec le niveau de langue, quel est l'âge de la personne, le niveau de langue, le niveau d'études, parce qu'il y a des gens qui nous contactent, par exemple, avec le BEPC, mais nous recommandons fortement le bac. Voilà, il y a Kabel qui a la main levée. Je ne sais pas si vous pouvez noter votre question. Et puis, je termine dans moins de 5 minutes. Et puis, on revient là-dessus. On revient sur votre question. Donc, je termine juste et puis on revient sur votre... On va vous prendre en premier. Donc, j'étais en train de dire que la première des choses, c'est que nous étudions votre dossier. Nous étudions votre dossier et nous étudions la faisabilité de votre dossier. Une fois que nous donnons le feu vert sur votre dossier, alors, on passe à la construction du dossier, c'est-à-dire les traductions, l'équivalence. Une fois que tout ça est prêt, on passe aux candidatures. Une fois que vous avez une invitation en entretien d'embauche, nous vous préparons pour vos entretiens. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si le premier, ça ne marche pas, on passe au deuxième entretien. On passe à la deuxième entreprise qui peut vous inviter. Dès que ça marche, le contrat sort. Dès que le contrat sort, on passe à la procédure d'accélération pour pouvoir facilement obtenir un rendez-vous au niveau de l'ambassade.
Et après la procédure d'accélération, on passe à l'étape du visa. Une fois que tout ça est clarifié, ben voilà, si vous n'avez personne en Allemagne, on peut également se charger de vous récupérer à l'aéroport, peu importe où vous atterrissez en Allemagne. Donc, en gros, bon, pour ce qui concerne la destination Allemagne, il n'y a pas que on ne s'occupe pas que de la formation professionnelle, quoi. Donc, on offre également aussi des cours de langue. Et je crois que notre prochaine rentrée aura lieu soit en fin avril, soit en début mai. La date n'est pas encore exacte. Mais bon, on offre quand même des cours de langue en cours du matin, cours du soir et bientôt aussi en cours hybride. Donc, on est en train de tester de nouveaux systèmes de cours là, un peu avancés pour d'autres types de publics. Peut-être même aussi, on entrera aussi sur le marché des cours en ligne bientôt. Et maintenant aussi, pour ceux qui veulent aussi maintenant voyager en Allemagne, pas pour une formation professionnelle, mais pour un visa étudiant, nous pouvons également faire cela. C'est-à-dire, voilà, en fonction de ce que vous voulez, hein. Il y en a qui veulent juste ouvrir un compte bancaire, il y en a qui veulent qu'on gère tout leur dossier, qu'on trouve l'admission, compte bloqué, préparation pour l'entretien. Bref, ce que vous voulez, on vous le propose. Et puis, ben voilà. En gros, c'est un Combien peu de ça, temps? c'est-à-dire. Recherche de logement, ouverture de compte bloqué, même l'achat de billets d'avion, on peut également le faire. Et puis, ben voilà, en fonction de ce que vous voulez, on peut vous l'apporter. Donc, en gros, comme je disais tout à l'heure, nous offrons des cours d'anglais, des cours d'allemand, accompagnement visa. Et d'ici peu, nous allons lancer d'autres services qui pourront plus ou moins concerner la diaspora en fonction des cibles. Et pour ce qui est de notre localisation, nous sommes situés à Yaoundé, au quartier Messassi. Et à Douala, nous aurons bientôt un bureau du côté de BP Cité, ancien Chococam. Donc, maintenant, vous pouvez également vous pouvez également visiter notre site internet, hein, www.dipcogroup.com. Et à travers ça, il y a pas mal d'informations aussi là-bas. Dans les Frequently Asked Questions, il y a également beaucoup d'informations que nous avons mises de ce côté-là. Et sur notre chaîne YouTube, chaque mercredi et chaque vendredi, nous publions une nouvelle vidéo. Nous publions une vidéo informative sur une question qui concerne les voyages. Une question qui concerne les voyages. Mercredi dernier, nous avons publié une vidéo qui concerne sur les conséquences de la guerre en Ukraine sur les demandes de visa. La semaine d'avant, on a publié deux vidéos, une sur comment entrer dans l'Union européenne en 2022 et l'autre sur les critères à prendre en considération pour voyager en 2022. Et je crois qu'aujourd'hui, bon, la technique, ça n'a pas marché parce que Neo a fait ce qu'il a fait du côté de notre technicien. Du coup, on va publier notre vidéo demain et on va parler justement aussi, vu que beaucoup les enseignants sont en grève, on va analyser plus ou moins quelles sont les possibilités qui s'offrent aux enseignants si jamais ils décident de voyager. Donc, en gros, c'est un peu ça. Merci d'avoir écouté notre présentation. Et on va passer aux questions. Et je crois que c'est Kabel qui avait la main levée tout à l'heure. J'aimerais savoir combien de temps peut durer la procédure complète. Combien de temps peut durer la procédure? Non. Combien de temps peut durer la procédure? Bon, c'est vrai que ce n'est pas Kabel qui a posé la question. Hein. Combien de temps peut durer la procédure complète? Si, par exemple, à l'instant T où nous parlons, vous avez le B2, eh bien, si à l'instant T où nous parlons, vous avez le B2, alors vous avez encore la possibilité de voyager d'ici août, septembre, octobre 2022. Maintenant, si votre B2 arrive en juin ou en juin, il peut arriver que ce ne soit plus possible de gérer ce temps parce que c'est maintenant que la plupart des écoles sont en train de recruter pour septembre, pour août et pour octobre. C'est maintenant que les écoles recrutent pour ces différentes dates-là. Donc, si par exemple votre B2 arrive d'ici août, bah, il peut arriver que votre voyage soit repoussé pour la rentrée d'avril ou pour la rentrée même de septembre 2023. Donc, je ne peux pas vous dire que ce sera 2 mois, je ne peux pas vous dire que ce sera 5 mois, je ne peux pas vous dire que ce sera 6 mois. D'un dossier à un autre, ah bon, les visas ne se donnent pas par kilo. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire il n'y a pas d'autre entrée autre que avril, septembre et octobre. Il n'y a pas les Je entrées en ne janvier. dirais pas qu'il n'y a pas d'autre rentrée. Tout ça dépend de chaque école. Tout ça dépend de chaque école. L'Allemagne, c'est pas. Bon, l'Allemagne est assez fédéralisée. Bon,
Le système est vraiment assez décentralisé, c'est-à-dire c'est chaque école qui décide de son emploi du temps. C'est chaque école ici qui décide et qui se décidera de son emploi du temps. Et si on tombe sur une école qui a la rentrée en janvier, bon, on part sur janvier, si on tombe sur une école qui a, dont la rentrée est en décembre, on part sur décembre. Si la rentrée est en novembre, on part sur novembre. Si elle est en juin, on part sur juin. Si elle est en mai, on part sur mai. Mais statistiquement, les rentrées sont le 1er mars, le 1er avril, le 1er août, le 1er septembre, le 1er octobre, statistiquement. Parce que actuellement, là, moi, je fais le B2. Moi, je comptais, je ciblais plus la rentrée d'octobre, septembre-octobre, là, parce que je veux composer le B2 en mai, là. Oui, je dis bien, si par exemple, vous dites que vous allez composer le B2 en septembre, en mai-juin, c'est maintenant que vous devez lancer votre dossier pour lancer avec, première des choses, l'équivalence. C'est-à-dire, quand les résultats de votre B2 vont sortir, tout en espérant que vous allez réussir tout le B2, tout en espérant que vous allez réussir tous les quatre modules, dès que vos résultats du B2 sortent et que l'équivalence est déjà là, alors on passe directement à l'étape du contrat. C'est-à-dire, et là, quand je dis on passe directement à l'étape du contrat, c'est qu'on devrait déjà avoir au moins une école qui serait prête à vous recruter. Si je peux dire ça comme ça, on devrait au moins avoir une école qui serait prête à vous recruter. Et c'est avec cette école-là, justement, qu'on peut, du moins, c'est avec une ou deux écoles-là, qu'on peut maintenant lancer votre dossier pour que ça puisse marcher pour septembre. Donc, si vous composez le B2 en mai, ce n'est pas en mai qu'il faut ouvrir votre dossier. Parce que si vous, bon, en mai ou en juin, ce n'est pas à ce moment-là. Si vous ouvrez votre dossier à ce moment-là, vous risquez de ne pas voyager avant mars 2023. Ouais, je crois que j'ai ouvert mon dossier. Parce que je suis passé dans votre agence là récemment. Et votre nom, c'est quoi? Duplex. J'ai vu votre nom. Ouais. Et j'ai vu, vous avez également déposé le B1. Ouais, j'ai vu. J'ai votre nom là sur mon calendrier écrit quelque part. Ouais, c'est pour ça que je voulais me rassurer. Si je passe le B2, là, est-ce que la rentrée là devait encore être possible? C'est tambour. Non, ce sera possible. Nous, on va lancer, vos diplômes vont monter en Allemagne d'ici la semaine prochaine. Vos diplômes montent en Allemagne d'ici la semaine prochaine. On lance avec l'équivalence. Et puis maintenant, par la suite, une fois que vos diplômes, une fois que l'équivalence sera, du moins, nous, on lance avec l'équivalence. Hein, et puis par la suite, la balle sera maintenant dans votre camp. Si vous réussissez les quatre modules, tant mieux. Si vous ne réussissez pas les quatre modules, on va juste vous attendre. Et maintenant, déjà, il faudra que vous sachiez que si vous échouez juste un module, vous repoussez votre voyage de 6 mois automatiquement. Bon, quand je dis 6 mois, c'est statistiquement. Hein. Mais maintenant, il ne faut pas seulement voir vous repousser votre voyage de 6 mois. Il faudra voir aussi que vous perdez minimum 1050 euros fois 6. C'est-à-dire... Si vous commencez en octobre et que vous ne pouvez pas commencer en octobre et que vous allez plutôt commencer en mars, ça veut dire que dans votre vie, vous aurez perdu votre salaire de octobre, novembre, décembre, janvier, février. 1 150 euros fois 6, ça fait quand même pas mal. Ça fait, on est quand même au-dessus de 3 millions, voire 4. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que le matin, il faut se réveiller à 4 heures, fronter. Dès demain, il faut se réveiller à 4 heures et fronter. Même si une heure coupe le courant, on prend la lampe. S'il n'y a pas la lampe, on prend la torche du téléphone. Non, je ne dirais pas que... Moi, je ne suis pas enseignant d'allemand. Hein. Je n'ai pas de méthode. Je dis juste qu'il faut travailler. Il faut suivre les conseils. Il faut suivre ce que vos enseignants vont vous dire. Et puis... sur la base de ça, travaille le max possible pour pouvoir réussir les quatre modules. Nous, on a vraiment les cours de prépa chez nous. Hein. Les cours de prépa, si jamais tu es intéressé, tu prends. Ouais, bon, c'est qui m'a un peu dérangé sur vous, c'est la distance. Sinon, il devait venir là-bas pour le B2. Il devait venir là-bas pour le B2, mais c'était un peu la distance. De toute façon, ça ne me dérange pas. Peu importe où vous faites vos cours, peu importe là où, chez qui vous faites vos cours, si il y a quelqu'un là-bas qui donne les cours du niveau B2, ça veut dire que la personne est plus ou moins compétente. Donc, il faut juste suivre ce qui est dit et faire faire ce que vous avez à faire. Et le reste suivra.
OK. D'accord. Et la procédure de follow-up plus stimulant, ça peut mettre combien de temps? Dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction des situations. Je dis, ça dépend toujours. Bon, ça aussi, vous allez le comprendre quand vous allez arriver dans ce pays. Les délais dans ce pays, bon, c'est l'administration, hein, c'est l'administration. Et les choses de l'administration, là, on ne peut pas toujours anticiper. Je ne peux pas toujours vous dire que ce sera 1 mois, je ne peux pas vous dire que ce sera 2 mois. Si, par exemple, on engage votre procédure de frappe du stimulant et puis la personne qui est responsable de votre dossier a subitement le corona et la personne doit peut-être partir 2 semaines au quartier, vous voyez que votre dossier sera rallongé de 2 semaines, par exemple, pour une histoire qui ne vous concerne pas ou qui ne nous concerne pas. Oui, oui. Donc, ça peut aller à 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. C'est pour ça aussi que je dis qu'il faut avoir donc le B2 le plus tôt possible. C'est-à-dire, si vous composez le B2 en mai, il faudra le réussir. Il faudra que, du moins, là, déjà le réussir, les 4 modules, et dans le meilleur des cas, que vos résultats soient disponibles plus tard, en fin juin. Comme ça, en au coup du mois de juin, on peut rapidement encore trouver une école qui peut recruter pour la rentrée de septembre, octobre. Et maintenant, une fois que le contrat est disponible, on peut facilement lancer la procédure de forêt justement, tout en espérant que le document pourra sortir avant fin août pour pouvoir demander maintenant, engager maintenant la procédure au niveau de l'ambassade et maintenant croiser les doigts pour que tout se passe en moins d'un mois. OK, d'accord. Mais je sais qu'on peut qu'avec la procédure de forêt justement là, je ne suis pas obligé de prendre rendez-vous à l'ambassade comme les autres. Non, moi je dis, première chose, il faut d'abord prendre. Il faut d'abord prendre le rendez-vous comme tout le monde et attendre. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut d'abord prendre et attendre. Si le moment venu, on passe par la procédure de frappe, justement, on annule juste ce rendez-vous-là. C'est tout. D'accord, d'accord. Ah. Ok, c'est tout, hein. Ok. C'est pour moi. Je sais pas, Kabel, vous aviez une réponse, une question tout à l'heure. Kabel, activez votre micro. Vous activez votre micro. Vous pouvez le désactiver en bas à gauche. Au niveau des écouteurs. Allô? Oui, oui, là, bon. Ça va, on vous écoute. Allô? Allô? On vous écoute. On t'écoute. OK. En fait, j'ai déjà eu le B2 et je voudrais savoir si c'est possible d'aller sans le A de Kenou. Est-ce que c'est possible d'aller sans le Kanekenu? En théorie, oui. Mais je dis bien en théorie. Je n'ai pas dit que j'ai dit oui. J'ai dit en théorie, oui, c'est possible de voyager sans le Kanekenu. Parce que quoi? La loi dit que si vous avez un diplôme étranger, votre diplôme doit être reconnu. Maintenant, votre employeur, dans minimum 95% des cas, les employeurs exigent que le diplôme soit reconnu avant que vous ne commenciez, avant qu'ils ne vous recrutent même. C'est-à-dire, même avant qu'ils ne vous invitent pour un entretien d'embauche, ils exigent déjà de voir que votre diplôme est reconnu. Mais on peut aussi arriver sur des cas où un employeur vous dit, OK, vous pouvez commencer, je peux vous donner le contrat, vous pouvez commencer la formation chez nous, et puis je vous donne 3 mois pour m'apporter la reconnaissance. Votre employeur peut toujours vous dire, OK, je vous donne le contrat, votre rentrée, c'est peut-être, nous sommes encore en mars aujourd'hui, on vous donne le contrat aujourd'hui, et puis on vous dit la rentrée, c'est en octobre, vous avez jusqu'au 1er octobre pour m'apporter la reconnaissance, l'équivalence de votre diplôme. Tout comme vous pouvez avoir un employeur qui vous dit, OK, la formation dure 3 ans, vous avez 3 ans pour m'apporter une équivalence. Okay. Mais comme j'ai dit aussi, dans 95% des cas, même avant qu'on ne vous invite pour un entretien d'embauche, on va vous demander l'équivalence. Oui, c'est ce que j'ai constaté. L'équivalence est vraiment un mot. Mais j'aimerais savoir s'il y a une différence entre l'équivalence et le anekenu. Disons que c'est la traduction. L'un est la traduction de l'autre. OK. Et combien de temps peut durer ce anekenu là? Parce que c'est ça mon problème. C'est que j'ai peur de commencer. Parce qu'on m'a dit que ça prend 4 mois à 5 mois. Et je vois que si je lance le anekenu là maintenant, je peux rater les rentrées qui arrivent. Bon, c'est pour ça que je dis que ça dépend de vous. Hein. Ça dépend de vous. Si
quand nous nous gérons, par exemple, votre dossier, par exemple, comme le dossier de duplex qui parlait là tout à l'heure, voilà, on sera sûr plus ou moins qu'on sera dans les délais. Hein, on sera sûr plus ou moins que ce sera dans les délais. Parce que justement, comme vous-même vous dites, bon, voilà, dans certains cas, on peut aller jusqu'à 6 mois, parfois plus. Parfois plus. On peut aller parfois jusqu'à plus de 6 mois. Et du coup, mais comme je vous ai dit, plus vous perdez le temps, plus vous n'êtes pas certain d'envoyer, de voyager en 2022. Et ce n'est pas qu'une histoire de... je dis toujours aux gens, étant au Cameroun, étant à Yaoundé, dans votre chambre, il est possible que vous-même, vous gériez toute votre procédure de voyage. Que ce, peu importe le type de visa, étudiant, travail, formation professionnelle, au pair, volontariat, tourisme, vous pouvez gérer vous-même votre procédure de voyage. Seulement, la probabilité également que vous fassiez des erreurs est très élevée. Et chaque erreur, comme je disais par exemple à Duplex tout à l'heure, chaque erreur peut repousser votre voyage de 3, 4, 5, 6, 7 mois. Et au final, vous aurez peut-être au final, ça peut marcher. On part du postulat qu'au final, ça finit par marcher, mais vous avez quand même perdu, je ne sais pas, 6 mois ou 1 an. Les 6 mois que vous aurez perdu, si nous calculons ça en argent, si nous transformons ça en argent, vous avez perdu, par exemple, 6 mois, on va se rendre compte que si, par exemple, il s'agit d'un visa formation professionnelle, vous aurez perdu 1100 euros fois 6. 6 000, on est donc autour de 6 600 euros par là. Si on calcule ça en francs CFA, on est autour de 3 500 000, voire un peu plus. On est légèrement, on est en dessous, au-dessus de 3 500 000. Et si vous aviez contacté quelqu'un qui vous aurait, par exemple, demandé 1 million, 1 million 5, 2 millions en fonction de comment les gardes demandaient leur prix ici dehors, au final, quand on essaie de calculer les deux, ben, vous aurez dépensé, c'est vrai, mais vous aurez également aussi gagné. OK, j'ai une autre question, s'il vous plaît. Ouais, je vous écoute. Je ne sais pas si le CV doit être compliqué ou si ça doit être comment. Parce que, bon, j'ai eu à postuler, mais j'ai eu justement des rejets. Et du coup, je ne comprends rien. OK. Bon, moi, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas vous dire que le CV doit être comme ça, comme ça, comme ça. Quand nous prenons les dossiers, peu importe le document que vous nous apportez, nous le reformulons nous-mêmes. C'est-à-dire, aucun document ne passe, ne sort. Nous n'envoyons aucun document dans aucune école sans qu'on ne le retouche. On n'enverra jamais votre dossier tel que vous l'avez envoyé parce qu'il y aura toujours des incohérences par-ci, par-là. On essaye à notre niveau déjà de les corriger. Et on essaye de se rassurer que votre dossier est complet avant qu'il n'arrive au niveau des écoles. Qu'est-ce que j'entends par votre dossier est complet? Vous avez toutes les traductions qui sont à l'intérieur. Vous avez votre CV qui est là. Vous avez votre lettre de motivation qui est là. Vous avez votre certificat de langue qui est là. Dans le meilleur des cas, vous avez également votre équivalence qui est là. C'est-à-dire, quand vous avez tout ça conjugué, on envoie ça maintenant à l'école. Et puis, voilà. Maintenant aussi, nous aussi, avec l'expérience, on se base sur notre... On a déjà notre base de données où nous savons que, OK, l'année dernière, on a eu un dossier qui a marché dans telle école, on a déjà collaboré avec telle école, on a déjà travaillé avec telle école. Alors, si nous prenons votre dossier, on l'envoie là-bas, la probabilité qu'on vous invite déjà pour un entretien d'embauche est très élevée. Et du coup, ça rend encore les choses un peu plus faciles. C'est pour ça que je parle ici de célérité. OK. Et pour le logement, Et pour le logement, de venir ouvrir le dossier. Pardon? Le logement se passe comment? Je ne peux pas vous dire comment va se passer le logement. C'est toujours par situation. C'est au cas par cas. Le logement sera au cas par cas. Vous pouvez tomber sur une école qui a des logements. Ça, c'est le meilleur des cas. S'il n'y a pas de logement, il faut chercher le logement. Et donc, du coup aussi, ça fait aussi partie des choses que nous faisons. Par exemple, dans le dossier des duplex, si on lui trouve une école qui donne le logement, alors on va juste avec. Si on ne lui trouve pas une école qui donne si on lui trouve une école qui ne donne pas le logement, on se rassure qu'on lui trouve au moins un logement pour au moins les 3 premiers mois sur son territoire allemand. On va se rassurer qu'il a au moins un logement, ou bien quelque part où il va dormir, ou un document à apporter à l'ambassade qui dit qu'il a un logement, ou du moins où il va dormir, quoi. Une preuve de logement. Et maintenant, c'est avec tout ça maintenant qu'il va à l'ambassade. Maintenant, une fois qu'il est sur le territoire, quel que soit X, on lui trouvera un logement. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Une autre question. Oui, je peux poser une question alors. Oui, allez-y. Je ne sais pas si c'est tabou. Vous, vos prix sont évalués à combien en fait? Nos prix dépendent de la prestation de service. Je ne peux pas vous dire que notre prix est comme ça. Nos prix dépendent de la prestation de service en fonction de ce que vous voulez. Parce que si une personne vient chez nous et puis, par exemple, nous dit « Ok, moi, je veux que vous vous occupiez de tout mon dossier. » Quand je dis tout mon dossier, cours de langue, dossier de voyage. Quand je dis dossier de voyage, par exemple, dans ce cas de visa formation professionnelle, par exemple, on aura donc équivalence, contrat, traduction, qu'est-ce que je peux dire encore? Forap, Tustimo, coaching, tout ça. Et puis peut-être on ajoute là-dedans le billet d'avion, on ajoute l'assurance voyage et on ajoute le pick-up à l'aéroport. Vous voyez que ce ne sera pas le même prix comme quelqu'un qui vient chez nous et lui dit « Ok, moi je veux juste le contrat » ou bien quelqu'un qui vient chez nous et lui dit « Ok, moi je veux que vous occupiez par exemple du contrat jusqu'au visa, le reste je m'en charge. » En fait, nous faisons des prestations de services. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un mot là. Je ne sais pas si c'est à la clé, si c'est à la quoi. À la carte. Nous faisons des prestations à la carte. C'est comme ça que ça se dit. Nous faisons des prestations à la carte et en fonction de ça, on tombe d'accord sur un prix. Si le prix nous arrange, on vous dit que ouais, OK, nous allons sur cette base-là. Mais maintenant, en fonction des situations, mais dans la plupart des cas, quand nous prenons les dossiers, ils sont inclus à l'intérieur. Pas mal de frais, par exemple, comme l'équivalence, peu importe où on l'a fait, c'est inclus à l'intérieur et c'est inclus à l'intérieur et également la procédure de foraptissime. Parce que là, déjà, il y a des frais qui sont officiellement autour de 410 euros, mais bon, il peut arriver qu'il y ait d'autres documents qu'on demande, d'autres certifications qu'on demande dans certains cas. Il peut arriver qu'il y ait des documents envoyés par la poste, il peut arriver qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Et donc, tout ça, voilà. Ça, peu importe la situation, l'argent que vous payez, c'est généralement, ces coûts-là rentrent dans cette prestation de service-là. Oui. En fait, ma question a été posée. Vous avez répondu, mais je n'ai pas vraiment une réponse palpable et efficiente de ma question. Bon, imaginez-vous que je vous demande par exemple, que je veux juste que vous vous occupiez de la procédure du voyage jusqu'au visa. Ouais. Ça peut me. S'il s'agit de la formation professionnelle, non, généralement notre prix tourne autour de 1,5 million. Je dis bien généralement notre prix tourne autour de 1,5 million. Et là aussi, ça entrera en jeu le mode de paiement. Bon, il arrive aussi que de temps en temps que nous lancions des périodes de promo, si je peux dire ça comme ça, comme par exemple en décembre dernier, pendant tout le mois de décembre, on a tiré ça jusqu'au 10 janvier, on prenait par exemple tous les dossiers à 1 million. On prenait tous les dossiers à 1 million et ça couvrait l'équivalence, le foraptissime, le coaching visa et qu'est-ce que je peux dire encore là? Bref, je crois que c'était ça. Hein. Bon, Mais comme je dis, notre prix est plus ou moins bon. Ça dépend toujours de l'échange, ça dépend toujours de la situation, ça dépend toujours de la discussion que nous avons eue avec vous, ça dépend toujours de ce qu'on a mis à l'intérieur. Et ça dépend toujours de ce qui est sur la table. OK. Donc, pour ne pas aller de long en large, comment vous contacter? Parce qu'en fait, j'ai eu le lien du Zoom par une amie. Maintenant, Comment nous contacter un instant? Par exemple, vous, personnellement, comment vous contacter vous, personnellement? OK, je vous envoie ça. Comment est-ce que je fais là? Parce que je n'ai pas. Ok, je vais envoyer mon numéro de téléphone dans le chat. Dans mon téléphone. Send it. Dans le chat.
The 12 I have last week is 7, 0, 8. Yeah. 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 Voilà mon numéro que je viens d'envoyer par le chat. Donc, vous pouvez m'écrire là-dessus et vous me laisser peut-être un message sur WhatsApp. Et dès que je suis en ligne, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Voilà. Ok, d'autres questions? Je ne sais pas, vous avez vu le numéro? Oh, j'ai pris le numéro. Ok, super. J'ai pris le numéro. Et c'est votre numéro? C'est votre numéro à l'appel direct ou bien? Oui, c'est vous. C'est à l'appel direct. Mais je ne réponds pas toujours aux appels directement hein, parce que il est fort probable généralement que je pose mon téléphone et que je n'y touche pas pour pouvoir me concentrer sur autre chose. Parce que si je garde ça ouvert, ce n'est pas toujours efficient. Ce n'est pas toujours efficient, ça ne me permet pas de me concentrer sur autre chose. Et voilà. Mais comme je dis, vous pouvez m'appeler. Par chance, parfois, je peux être disponible directement, je décroche. Mais dans d'autres cas, si ça ne marche pas, vous me laissez juste un message et puis je vais vous recontacter. Sans souci, pour moi, c'était toi. Ok, super. Mais en fait, oui, j'ai oublié. Est-ce que vous gérez aussi les dossiers au pair en fait? Oui, on gère également les dossiers au pair. Et la prochaine session d'information, ce sera sur au pair, soit au pair, soit volontariat, soit les deux. Or, comment on va structurer ça? Mais les dossiers au pair sont plus ou moins délicats. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a d'autres paramètres là-bas qui vont entrer en jeu là-bas. C'est pas les dossiers House Building sont un peu plus ou moins comme les dossiers étudiants où, bon, voilà, c'est légèrement mathématique, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on va toujours vous dire, si vous avez six, la probabilité que vous ayez le visa est plus élevée. Par contre, les dossiers au pair, d'une personne à une autre, en fonction du profil, en fonction de je ne sais pas. Si par exemple, vous convenez avec moi que si par exemple, on a quelqu'un là qui a un baccalauréat en comptabilité et qui demande un visa au pair, on va lui demander où est le lien entre la comptabilité et au pair, qu'est-ce que ça va apporter concrètement et tout, et tout, et tout. Donc du coup, même nous, avant qu'on accepte un visa au pair ou même un visa formation professionnelle, un visa volontariat, on est un peu plus regardant par rapport au visa formation professionnelle. Donc en gros, c'est un peu ça. Mais bon, on va revenir longuement dessus certainement lors de notre prochaine session d'information. On va longuement revenir dessus lors de notre prochaine session d'information. Ce sera soit sur au pair, soit sur volontariat, soit sur les deux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question? Moi, j'ai encore une question. Ouais. J'aimerais savoir si... Bon... Comme moi, personnellement, j'ai eu le bac en 2019 et je suis directement allé à Guayaquil. Et quand Corona a commencé, là, je suis allé à la maison. Depuis là, j'ai rien fait parce que j'ai repris les cours. J'ai commencé les cours de langue en 2021. Je ne sais pas comment les années vides, là, je ne sais pas si c'est un problème, je ne sais pas trop. Je pense pas que bon. Dans le cadre d'un visa formation professionnelle, ce n'est pas toujours un problème. Ce sont des choses qui sont plus ou moins faciles à gérer. Mais si c'était un visa étudiant, c'est là où ça pouvait être un peu problématique. C'est là où on pouvait commencer à se poser certaines questions. Mais ça, on peut facilement le gérer parce que si Corona est arrivé en 2020, dans votre cas, ben voilà, on dit juste que vous avez commencé avec les cours de langue en début 2020, Corona est arrivé, vous êtes allé au quartier et puis vous avez repris en 2021. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.
Autre question, autre préoccupation? Sinon, je pense que nous avons plus ou moins terminé. Et voilà. Oui, Émérance. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, ma question, c'est beaucoup plus au niveau des stages qu'on demande de faire là. Ouais. Pour le cas des soins infirmiers. Ouais. Est-ce qu'il y a une période indiquée pour le stage? Est-ce qu'il faut faire peut-être, c'est pas un mois, deux mois? Est-ce qu'une formation à la Croix-Rouge est suffisante? En théorie, une formation à la Croix-Rouge, j'ai déjà vu les papiers là, je les vois partout, de ces papiers de 4 semaines. En théorie, ça devrait passer. Je dis bien, en théorie, ça devrait passer parce que bon, ça prouve plus ou moins que vous avez plus ou moins une sorte de petite introduction, petite idée, petit aperçu sur le sujet. Mm-hmm. Mais vous pouvez, bon, au-dessus de ça, hein, vous pouvez également aussi décider de chercher même un centre de santé dans votre quartier, là, même s'il faut donner, je ne sais pas, 10 000, 20 000, pour qu'on vous permette juste d'y aller, peut-être même par un mois, pour partir voir comment ça se passe et tout, et tout, et tout. Comme ça, ça vous donne encore un peu plus une idée sur le métier, sur le domaine, sur ce qui vous attend, sur... Voilà. Si vous supportez, par exemple, de voir du sang. Par exemple, bah ouais, justement, je demande parce que... Allô? Oui, oui. Justement, je demande parce que j'ai eu à faire un mois à la Croix-Rouge, mais récemment, il y a une aînée qui m'a fait comprendre qu'il était aussi important de faire un stage, que j'ai même d'ailleurs commencé. Le problème, c'est que la dame en question m'a demandé quelles sont les bases que je voudrais. J'étais même perdue, je ne savais même pas trop quoi. Non, non. Qu'est-ce que c'est moi, du coup, est-ce que je voudrais que ça dépend de votre entente. Là, ça dépendra de votre entente. Si par exemple vous voulez rester là pendant 3 mois, tu peux juste lui dire que bon voilà, je veux juste avoir des bases, je veux juste avoir les connaissances les plus basiques sur comment ça se passe à l'hôpital, sur les journées à l'hôpital, sur je sais pas les notions de base comme les prises de température ou bien je sais pas trop, bref, des choses de base quoi, pas des connaissances en profondeur. Vous n'êtes pas là pour apprendre à ouvrir le ventre d'une femme et tirer le bébé. Oui, il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure des périodes qu'il faudrait combler, a demandé si ça ne dérangeait pas d'avoir fait beaucoup de temps de façon inactive à la maison, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il est recommandé pour quelqu'un qui est en train de faire peut-être ce stage-là, de mettre ça comme pendant les années vides là? Bon, légalement, vous n'avez pas le droit de faire plus de 6 mois pendant le stage. Si vous avez un papier qui dit que vous avez fait plus de 6 mois en tant que stagiaire, légalement, bon, c'est déjà illégal. Ça ne marche pas. Ce n'est plus crédible. Ce n'est plus crédible. D'accord. Donc, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est bon. 5 mois, c'est bon. Mais à partir de 6 mois... Ça devient déjà un contrat. Donc, même légalement, ça ne marche pas. D'accord. Donc, j'ai déjà été dans vos locaux actuellement. Je vais composer le B travail demain. J'espère vivement que ça va aller. Ouais. Parce que je veux que ça soit très, très... J'espère que ça va marcher. Je veux que ça soit très schnell. Oui, justement, il faut que ça marche. Quand ça marche pour vous, on est tous contents. C'est-à-dire, nous, on reçoit facilement l'argent. Et l'argent est bien quand c'est dans sa propre poche. C'est pas bien quand c'est dehors. Voilà. Justement, ça me demande déjà de... Oui, justement, c'est pour ça que je dis que, pardon, il faut aller bien se concentrer là-bas. Et comme ça, là, voilà. OK, je voudrais également savoir s'il y a des mesures d'encouragement. Peut-être pour quelqu'un qui amène, je ne sais pas moi, de nouveaux intéressés. Je ne sais pas comment j'ai fait même pour oublier ça. Justement, nous donnons une motivation, si je peux dire ça comme ça. Nous donnons une motivation de 50 000. Autour de moi, je fais tellement votre publicité qu'on me demande, mais tu fais quoi, Visa, tu publies Dipco.
Je dis, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, nous donnons une motivation de 50 000 quand vous nous envoyez quelqu'un. Bon, les 50 000 en question n'arrivent pas quand la personne signe le contrat. Les 50 000 en question arrivent quand la personne verse aussi, du moins quand nous aussi on touche l'argent. Parce que vous convenez avec moi que si l'ouverture de dossier chez nous est à 25 000 et qu'on vous dit que chaque personne que vous nous envoyez, on vous donne 50 000 dès que la personne ouvre le dossier, en fait, moi, je vais m'asseoir, je vais me dire que, OK, ça veut dire que si j'investis 25 000, je peux gagner 25 000 directement. Là, là, là. Alors, je cherche juste des gens qui ont plus ou moins le B2. Je dis juste comment moi, je réfléchirais. Et donc, on s'est dit, bon, voilà, OK. Pour que ce soit plus efficient pour vous, pour nous, pour tout le monde, quand la personne verse la première tranche, par exemple, dans votre cas, je n'ai pas votre contrat devant moi, donc je ne connais pas toujours les termes des contrats et tout, et tout, et tout. Mm-hmm. En fonction des termes de notre contrat, si votre paiement est en plusieurs tranches, quand on verse la première tranche, on vous donne votre argent. Si le paiement se fait en une tranche, parce qu'il y a des personnes aussi qui nous disent que, ben voilà, moi, je veux payer quand le visa sort. On dit, OK, il n'y a pas de problème. On peut également s'entendre sur ce type de contrat-là, mais généralement, ça coûte aussi légèrement un peu plus cher. Et donc, là aussi, ça veut dire que si le client vient de vous, faut aussi, vous allez devoir patienter. Peut-être cet argent-là peut arriver même après votre voyage, mais l'argent, c'est l'argent. On ne sait pas où, à qui on va envoyer l'argent qui manque. Ouais, l'argent est bientôt à tout moment. Voilà. Donc, dès que l'argent est là, les problèmes arrivent. Les plans sont là. OK. J'espère que tous ceux qui sont en ligne là écoutent, les gars. Donc, que chacun vienne avec une ou deux personnes. Parce que... Donc, c'est un peu ça. C'est qui fait le B2? Il n'y a pas de conseil à donner aux gens. Bon, moi, je n'ai pas de conseil. Je pense que le monsieur le dit quoi, pratiquement tout dit. Ah, c'est juste travailler. Et puis prier aussi, hein, parce que parfois, tu as un pruf qui. Ouais, c'est aussi ça. Qui ne s'est pas bien réveillé le matin. Donc. Ouais, c'est vrai. Non, c'est ça. Quand c'est ça. Il n'y a pas de pruf qui s'est mal réveillé ou qui s'est bien réveillé. OK. Parfois, quand tu fais le E1, c'est à ce moment que les voitures décident de passer à gauche. Donc, du coup... OK. Yeah, je suis dans ce module E1, je suis ouvert. Allô? Oui. S'il vous plaît, par rapport